La séquence tient presque du miracle tant les deux anciens présidents de la République se détestent cordialement, et tant leur retrouvaille intervenait dans un contexte tendu. Nicolas Sarkozy et François Hollande, dont la cordiale mésentente est de notoriété publique, se sont retrouvés côte à côte lors de la marche pour la République et contre l'antisémitisme du dimanche 12 novembre. Ils ont échangé un inattendu trait d'humour, capté par la perche son de nos confrères de l'émission Quotidien. Alors que les principales personnalités politiques posaient derrière une banderole avant de prendre la tête du cortège, Nicolas Sarkozy s'est penché d'un air malicieux en direction de son successeur. Il ne pleut pas aujourd'hui, s'est-il amusé. Malgré la présence du président Hollande, a immédiatement abondé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, comprenant la référence aux pluies qui venaient quasi systématiquement ponctuer les sorties publiques de François Hollande durant sa présidence. Une blague que l'ancien président socialiste n'a pas laissée sans réponse. Marche du 12 novembre, un impressionnant rassemblement de personnalités politiques bien que le président du Sénat Gérard Larcher et la première ministre Elisabeth Borne séparaient François Hollande et Nicolas Sarkozy et Yaël Braun-Pivet, le socialiste n'a rien raté de la blague dont il faisait les frais. Oui. Exceptionnellement, s'est-il exclamé dans la foulée, laissant imaginer qu'il contrôlait la pluie et déclenchant les rires de l'assistance. Si est-y un jour de grâce, a ensuite ajouté à la plaisanterie le successeur de Nicolas Sarkozy. Cet esprit cordial entre les deux ennemis politiques montrait bien l'esprit de concorde de la nation dont cette marche voulait faire la démonstration. Ainsi, la tête de cortège rassemblait, en plus du personnel politique déjà cité, pas moins de 6 premiers ministres, l'AQTEL Elisabeth Borne et les anciens Jean-Marc Ayrault, Jean Castex, Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe et Manuel Valls, de nombreux ministres en exercice et le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, entre autres. Crédit photo, Dominique Jacovide.